Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle. Comment ça va? Moi je vais super bien et on se retrouve Bonjour, aujourd'hui pour la merci, toi, suite Gordon. d'un jeu qui commence à me faire un petit peu peur à jouer à cause de tous les écrans bleus que je me tape. Mais bon, allez, on va essayer. Il n'y a qu'avec ce jeu que ça me le fait. Putain, j'aime pas voir ce mot-là, chargement. Allez, vas-y. Hello Sébastien? Ça va et vous? J'ai quelque chose sur le radar. Et bon, on va aller voir. C'est le jeu qui me fait prendre un monstre des tours. C'est pour un truc sur un radar. Non mais attends. Je dois vraiment faire tous ces tours pour un radar? Revoilà le radar. Alix, ta mère, ton radar. C'est la grosse merde ton radar, Alix. Sérieusement. Alix, tu me fais chier avec ton radar là, y'a rien. Mais qui c'est qui met une station service là-haut, sérieusement? C'est débile! Même du temps où les humains étaient pas encore envahis par les aliens. Ça pourrait être l'œuvre du cartel. Ouais. Difficile à dire. Je m'en branle. Il y a bien des façons de mourir par ici. Ouais. Genre, il a pu faire une chute et se cogner la tête sur le mur. Aussi. Putain, mais... genre, le radar et tout... Bon, on va explorer un peu ici, hein. Je voulais pas exactement le faire comme ça, mais ça marche aussi. Ah ouais, je suppose que je vais le faire comme ça à la base. Ouais. Mais moi, je suis un thug. J'aime pas faire comme tout le monde. Oh, mais c'est joli, cette petite zone. C'était une petite zone habitable et tout. C'est vrai que tu te rends compte que, en fait, dans l'univers d'Half-Life, avant l'invasion extraterrestre, c'était plutôt tranquille, là. Ouais, tout tranquille jusqu'à un certain point, hein. Il y avait quand même un truc pour bloquer la route. Y a personne? Ben non. Pourquoi il y aurait quelqu'un? C'est une zone random que je suis en train de visiter, Alix. Oh, ça doit être trop joli ici avant. C'est exactement ce que je me disais en plus. Je me demande depuis quand c'est abandonné ici. Putain, c'est exact. Alix, depuis quand tu lis dans mes pensées? Non, franchement, c'est très sympa. Hein. C'était une maison ici, putain, c'était gigantesque. Non, franchement, c'est là que ça te fait réaliser qu'en fait, l'invasion des combines et tout, ça a dû être la grosse merde, quoi. Ah, super. Ouais. Loupé. Mais largement, alors. Non, en fait, l'univers d'Half-Life est vachement riche. C'est juste que le 1, j'ai jamais eu le courage de le finir, en fait. Faudra quand même que je le fasse un jour. Ah non, c'était sympa dans le coin. Oh merde. Aïe. Ah, faut les supprimer. Oh bah si c'est que ça, tiens. J'étais en train de réfléchir à quel point la maison était jolie. On est cerné de où en fait, parce que là... excuse-moi, je vais récupérer des munitions à l'X, hein. Merci.
Ok, bon. On va y aller comme ça. Voilà. Oh merde, il y a des chasseurs. Ils sont en train de tirer sur quelque chose d'autre, mais je sais pas quoi. C'est pas moi en tout cas. Non mais attends, tu viens de l'autre côté toi. T'as pas peur hein? Putain mais je me fais défoncer en fait. Je crois que j'énerve le machin là. Mais il tire sur quoi là à côté? Loupé. J'adore le Magnum, hein, sérieux. Elle est géniale, cette arme. Alors, c'est bon, c'est bientôt fini parce qu'on est en train de vous massacrer, là. Hein. Moi, j'aurais déjà reculé à votre place. Il est mort, je crois. Bien visé. C'est bon? Putain, mais... Anti-citoyen engagé. Écoutez. Sous-principal engagé. Éliminé. Ils sont en train de parler de nous. Ils cherchent toujours le paquet de données. Non, c'est vrai? Nous, on était en train de se balader en même temps, là. Hein. Qui vous a permis de rentrer dans la maison? Ils sont partout! Tu te prends pour... un extraterrestre de Halo, Alix? Vous avez entendu? Ouais, bon, un chasseur entre en fracassant la fenêtre... Aïe. Waouh, ces chasseurs, c'est une coriace. C'est pour ça qu'on va peut-être sortir de la maison. Je suis là, abruti. Ouais, j'étais là. Ouais, mais vous êtes pourris en fait. Bah oui. Non, c'est facile. Allez par où? Parce que là, on est bloqué des deux côtés. Attends, je crois qu'ils ont détruit une porte de ce côté-là. C'est une vraie souricière ici. Dégageons. Ouais, je vais aller reprendre la voiture, Alix. Hein. Mais j'admets que c'est très joli dans le coin. Bon, je vais y aller à la John Rambo, hein, ça marche aussi. Comment vous pouviez savoir qu'on était là, au fait? Je me permets de poser la question. Descendez cette tourelle, Gordon. Ok. Ça me rappelle un peu les tourelles de Portal, hein. Il fallait descendre de la même manière. C'est la source de courant du bouclier.
Ils ont pas lésiné sur la sécurité. Non, mais pourquoi il y a des boucliers dans un village de merde? Les boucliers, vous pourrez approcher le réacteur. Ah, parce que c'était réellement ça ce que je devais faire? Bon, on dirait que je peux les ouvrir d'ici, mais je ne pourrais pas venir avec vous. Bon, ok, bah vas-y. Voilà. Ah ouais, merci. Waouh! Ce truc est grillé. C'est grillé. Comment je suis censé... Je t'avais entendu, espèce de petite saloperie, va. Ah, t'étais en train de couler un bronze, en fait. Excuse-moi, je t'ai dérangé. Ouais, mais Alix, je sais absolument pas ce que je dois faire, là. Attends, voir. Toujours un chemin assez évident. Allez, j'aurais pu l'atteindre autrement aussi. Hein. Allez, dégagez les caisses, je vous aime pas. J'aime pas les caisses. Et pendant qu'Alix monte la garde à l'entrée alors qu'il n'y a plus personne vu qu'on a tué tout le monde, moi je me tape tout le boulot de merde. Il est où? Oh! Se calme! Moment que je désactive le courant de ces saloperies, hein. Sérieux. Ouais. Oh bah je suis au-dessus. Et maintenant? Ah bah je peux passer derrière, ok. Et quoi? Je peux pas aller plus loin? Il y a du fusil à pompe là, c'est pas mal. Bon, autrement, putain! Non, visiblement pas. Je sais absolument pas ce que je dois faire. C'est bien la première fois que ça m'arrive dans un Half-Life. Attends, on va. Oh, sérieux? Ok, je suis là. Super, la caisse s'est cassée la gueule. Vachement utile. Attends, le jeu peut pas te permettre d'arriver ici et d'avoir rien à faire ensuite. Putain. Ah voilà. Bordel. J'ai pas vu le petit fil d'aération là. Ok, je suis censé faire quoi? Non, parce que genre ce bidon là, je peux clairement pas le prendre à l'intérieur. Ah voilà, en fait c'est tout simple. Il suffit d'ouvrir la porte. Voilà. Si le champ de force est éteint. Bah oui, vu que je peux passer. Pourvu qu'on ne voit plus d'unité du cartel jusqu'à White Forest. Ouais, bah je sais pas, il me semble que j'ai déjà fait un monstre détour pour rien. À cause d'une balise à la con. Il y a un X. J'ai déjà vérifié un truc. Je vais déjà redescendre en entier là parce qu'il me semble que j'ai fait un monstre détour. Hmm.
Ouais. Je me demande pourquoi le cartel a placé un barrage si loin. Bah, je me demande pourquoi le cartel est arrivé jusque dans des villages à la con. Quoi ce truc sur le radar? C'est une cache de munitions, mais j'arrive pas à trouver où elle est. T'es gentil, Alix, mais arrête d'être conne. On va continuer à avancer, hein. On s'en fout de la cache de munitions de toute façon. Je sens que le prochain chargement, ça va être de nouveau un écran bleu et puis je vais devoir tout me retaper une fois de plus. Génial. Non, franchement, ça avait l'air d'être un joli petit village ici, le genre de coin où j'aurais bien aimé habiter en fait. C'est écrit quoi sur les murs là? C'est juste des affichages à la con. Ah, on est censé rouler à 30 à l'heure, désolé. Attention en dessous. Ouais. Ouais, Alix, moi j'ai juste vu... Moi j'ai juste vu un saut, j'ai été dessus par réflexe. Hein. C'est mes réflexes GTA qui ressortent. Pourquoi cette voiture brûle là? On a des kilomètres de toute civilisation pour... Non, ça me dérange pas. On a des kilomètres de civilisation et... Ok, bon, c'est pas grave, hein. Allons-y, Alix. Pourquoi cette voiture brûle-t-elle? J'aimerais savoir. Oui, t'as raison. Hey, le radar capte un truc. Ah oui, merde, t'as raison. Ça devrait être par là. Ah ouais. Alix, tu veux pas me donner un coup de main? Ouais, on va s'arrêter au milieu de la route. Hein. Je t'ai nouveau passé à travers, ça te dérange pas? Ça a pas l'air. Eh ben. Eh ben, en tout cas, il y a plein de munitions dans ces saloperies, puis c'est cool. Je peux bousiller ce panneau? Aïe. Oui, je pouvais, mais apparemment, c'est pas bien de détourner le code de la route, ça fait mal. Ok, on va s'arrêter devant ce chargement évident pour éviter un écran bleu et sauvegarder la partie ici. Voilà. Au moins, les chargements sont assez évidents, donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, commenter, vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter et la mettre en favori, tout ça me ferait énormément plaisir. Possiblement joindre sur ma page Facebook qui est dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir, bye. Sauf que par un moyen je ne sais pas comment, hein, je suis mort. Très drôle, vraiment. Ensuite, j'ai voulu retenter, sauf que l'émulateur a crashé, je sais pas pourquoi. Hein. Là ça fonctionne. Il 02 Hall rez-de-chaussée. Voilà, merci. Oh là là, bon. Alors, je propose qu'on aille voir si on peut aller par cette porte là. Alors, c'est fermé. Non, bien grave. Je propose qu'on aille à la cuisine. Hein. On va voir peut-être qu'il est encore là, Barry, hein. On ne sait jamais, comme on dit. En fait, cette pendule commence vraiment à me saouler là. Non, 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 là, de côté.